T'avais plus de cardio à l'école, hein. J'avais juste plus de temps vu que je t'avais pas. Bon, ce week-end, je t'invite au resto. Pour fêter mon CDI, pour une fois que je puisse payer un truc. Tu peux, hein. Avec ce que tu me donnes comme fil à retordre sur le chantier. Non mais je travaille pour eux, mais je suis pas ton ennemi. Au sujet du lot VRD, on n'a toujours pas reçu vos visas sur les études d'exès de l'entreprise de travaux. Oui. Comme je vous l'ai dit lors de la précédente réunion, je ne peux pas juste vous rendre ces documents sans avoir toutes les données des sols. Mais les études géologiques, elles ont été faites, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui te manque exactement, Rémi? L'ancienne maîtrise d'œuvre a réalisé que 3 sondages sur toute la zone, et ils sont pratiquement tous au même endroit. C'est pas suffisant pour établir un plan d'assainissement des eaux pluviales. Il faut plus d'informations sur la perméabilité des sols et s'il y a un risque de pollution ou non. Mais vous comprenez bien que le calendrier des Jeux Olympiques est très serré. Quand est-ce que vous nous rendrez vos visas? Dès que j'aurai reçu les nouveaux sondages de perméabilité et de pollution. On a commandé de nouveaux essais au BET Géotechnique. Et s'ils ne sont pas favorables, on fait quoi? Là, tu vois, on est à 10 puissance moins 8 de perméabilité. Oui. Et c'est 1000 fois moins que sur les essais précédents. Et là, regarde, le taux de polluants solubles est supérieur au seuil SDI+, pour les métaux lourds et les hydrocarbures en tout cas. Ouais, donc c'est clairement impossible d'infiltrer des eaux pluviales à cet endroit. Surtout qu'il y a une nappe phréatique qui se trouve juste en dessous. Oui, mais c'est ce qui me semblait, mais la société de livraison des jeux vise un objectif de 100% d'infiltration. Il faut que tu en parles à la prochaine réunion de chantier. Et il faut revoir tout le projet. Tu vois des meufs en ce moment? Léa, tu l'as jamais rappelé, non? Oh, je te parle, putain, gros! Tu m'écoutes ou pas? Je crois qu'il y a un gros problème avec le village des JO. Eh, faut que tu te vides la tête, gros. S'en fout des JO, putain, allez, go! Allez, bouge ton cul, là! Oh, putain, l'enfoiré! On a bien reçu vos retours quant à vos inquiétudes vis-à-vis de la politique d'infiltration des eaux pluviales. Le géologue vous a transmis les nouveaux essais de perméabilité et de pollution, c'est bien ça? Oui, on a reçu les nouveaux essais et on s'est rendu compte avec nos essais que la majorité du projet reposait sur une couche de remblai imperméable et polluée. Et ces sols-là n'ont pas été testés par vos sondages. Selon nous, il faudrait totalement revoir la gestion des EP du projet. Mais nos sondages montrent qu'il est possible d'infiltrer une pluie centennale sur ces sols. Comment voulez-vous changer l'assainissement des eaux pluviales alors que les travaux ont déjà bien commencé? Marianne? Oui, ça va être très compliqué de revenir en arrière sur les travaux de VRD. Mais on pourrait par exemple imperméabiliser en dessous des bassins végétalisés pour éviter le transfert de polluants vers la nappe phréatique. Ça impliquerait de dériver les canalisations au fond des bassins, sinon toute l'eau qu'il y a en dessous sera stagnante et l'évaporation, c'est trop long comme processus. Le problème, c'est que le dossier de loi sur l'eau est clair. Et dans l'espace public, nous, ce qui nous est demandé, c'est l'évaporation et l'infiltration. Ce sont les objectifs sur lesquels que l'on doit atteindre. Pour les tests de pollution, on a un rapport qui nous dit pas d'infiltration, vous risquez de polluer la nappe phréatique. L'objectif est donc impossible à mettre en place sur ce site. Si je peux me permettre. Ces études, elles ont été validées par des paysagistes, les BET fluides, les terrassiers. C'est pas un petit bureau d'études VRD qui va les invalider. Surtout représenté par un ingénieur, excusez-moi, qui semble tout juste sortir de son école. Ils
ça n'a pas été cool. Mais c'est pas grave. On s'en fout, non? Et si c'est pas nous qui faisons ce projet, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce projet, c'est le cirque Pinder, et tu le sais. Vous êtes bien sur le répondeur de Marguerite Bornstein, responsable du pôle environnemental de Libération. Veuillez laisser votre message après le bip. Ça, c'est le secteur du projet. La société de livraison des jeux a commandé 3 essais. Ici, ici et ici. Le problème, c'est que toute une partie de la zone n'est pas testée. Donc on a commandé d'autres sondages de notre côté. Et avec ces essais, on s'est rendu compte que toute une partie de la zone était en fait un remblai imperméable et pollué. Et donc, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que l'objectif, c'est d'infiltrer les puits centenales, l'équivalent de la crue de 1910, dans des bassins qui n'infiltrent pas. Donc le village va être régulièrement inondé, et le peu d'eau infiltrée va capter les polluants de la terre et les amener directement dans la nappe phréatique. Nappe phréatique qui alimente Paris. Par ailleurs, vous voyez où je veux en venir? Je veux bien vous croire, moi. C'est beaucoup trop technique, là. Même pour moi. Imaginez une cafetière à filtre. Le café moulu, c'est la terre polluée. Quand l'eau passe au travers, elle noircit et elle finit dans la cafetière. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer quand l'eau de pluie passera au travers de la terre et finira dans la nappe phréatique. Votre prochaine réunion de chantier, c'est bien demain? Oui, alors après vérification des nouveaux rapports du géotechnicien, il semble qu'il y a des remblais qui sont incompatibles avec vos objectifs de gestion des EP. Sur une grande partie du projet en tout cas. Autour de D4, notamment, c'est la zone qui est la plus impactée. Vous voulez imperméabiliser les bassins de D4? Oui. En fait, il n'y a que le bassin de D3 qui est à peu près clean, en fait. On avait déjà soulevé le problème. C'est étonnant que vous n'ayez pas les mêmes problématiques. En tant qu'architecte et membre du groupe en maîtrise d'œuvre, on ne peut pas se permettre de faire un projet bancal techniquement. Mais vous savez bien qu'on porte depuis le début cet objectif de 100% d'infiltration des eaux de pluie. C'est impossible de faire machine arrière, maintenant. Bon, on commence à avoir quelque chose. C'est encore parole contre parole, mais on tient quelque chose. Vous allez pas sortir d'article? J'aimerais bien, mais à ce stade-là, ça passe pas mon rédac-chef. Dites-moi, sur l'audio, c'est bien votre grand copain de l'école d'ingénieur? Qu'est-ce que t'as tiré, là? Je sais pas, j'ai essayé quelque chose. Attends. C'est mon père. Il passe le bonjour, puis il me félicite pour le CDI. En vrai, heureusement que je l'ai eu ce job, parce que depuis qu'il est tout seul... Je suis sincèrement désolé pour la réunion. C'est juste que... Je viens d'avoir le job, je peux pas me permettre de faire de vagues. Puis même si le projet est un désastre... Je suis toujours en période d'essai. Ça y est. On va pouvoir le sortir, cet article. Il me faut juste le nom et les coordonnées de ton ami. Je peux pas lui faire ça. Ça va forcément lui retomber dessus. Mais sans ça, je peux rien faire. Cette source vaut rien, sinon. Mais... Tu peux pas juste l'anonymiser? Pourquoi est-ce qu'il te faudrait ses coordonnées? Il faut simplement que je puisse le contacter pour avoir sa version. Je peux pas publier quelque chose sans avoir vérifié par moi-même.
Rémi, c'est encore moi. Bah écoute, j'espère que tu vas bien, car je m'inquiète un peu, t'es toujours pas passé au bureau. Ok, déjà midi. Rappelle-moi, préviens-moi, dis-moi ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Oui, Rémi, j'ai reçu l'appel d'une journaliste. Je comprends pas trop. Ouais, Rémi, rappelle-moi, s'il te plaît. C'est un peu la merde, là. Rappelle-moi, s'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît, Rémi.